Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons dans la sagesse profonde de Neville Goddard en nous, nous concentrant sur une prière secrète de la Bible qui détient le pouvoir de... Concrétiser vos souhaits les plus profonds. Sans plus attendre, explorons ensemble le monde mystique de Neville Goddard et découvrons la sagesse transformative de cette prière secrète. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Section 1. Les enseignements de Neville Goddard. Bienvenue, chers spectateurs, dans cette première section où nous plongeons dans les profondes enseignements de Neville Goddard, un mystique et penseur dont la sagesse continue d'inspirer des générations. Commençons par comprendre les fondements de la philosophie captivante la puissance de l'imagination. Au cœur des enseignements de Neville se trouve la conviction que l'imagination est la force créatrice ultime. Il croyait fermement que notre capacité à imaginer vivement et à ressentir intérieurement nos désirs était la clé pour manifester ces désirs dans la réalité. Ainsi, il nous encourage à cultiver une imagination puissante et à la considérer comme un outil sacré. Interprétation unique des principes bibliques. Neville était connu pour son interprétation unique des principes bibliques. Plutôt que de les voir comme des récits historiques ou des doctrines strictes, il les considérait comme des allégories riches de significations symboliques. Il nous incitait à creuser au-delà des mondes pour découvrir les vérités universelles qui peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne. L'imagination crée la réalité. Une pierre angulaire des enseignements de Neville est la conviction que notre réalité extérieure est le reflet direct de notre réalité intérieure. Là où nous dirigeons notre attention particulièrement à travers l'imagination, se matérialiser dans notre expérience quotidienne. Ce concept révolutionnaire nous invite à prendre conscience de nos pensées et à les utiliser consciemment pour façonner notre destin. L'importance de la foi. Foi était le mot d'ordre pour Neville. Il enseignait que la foi était la force motrice derrière toute manifestation. Cela ne signifie pas seulement une croyance aveugle, mais plutôt une certitude profonde et inébranlable que ce que nous désirons est déjà une réalité. Il nous encourageait à adopter une foi inébranlable en nos capacités créatrices. La manifestation consciente. Neville prenait la manifestation consciente la capacité de ré-délibérément nos expériences plutôt que de simplement réagir à notre réalité. Il nous invite à reconnaître notre pouvoir intérieur et à devenir des maîtres conscients de notre destinée en utilisant l'imagination et la foi de manière délibérée. En conclusion de cette première section, plongez-vous dans les enseignements fascinants de Neville Goddard où l'imagination devient un porté vers la création consciente et la foi une boussole pour guider notre voyage. Section 2. La prière serrée de Neville Goddard Plongeons dans le mystère de cette prière et comprenons comment elle peut être utilisée comme un outil puissant pour manifester nos désirs. Choix du verset biblique. Neville Goddard attachait une grande importance à certains versets bibliques, considérant qu'ils renfermant des clés essentielles pour la manifestation. Ce choix n'est pas arbitraire. Chaque mot est chargé de son et Neville nous encourage à méditer sur eau pour en extraire la quintessence. Signification profonde du verset Explorons maintenant la signification profonde du verset choisi. Neville interprétait ce passage biblique comme une invitation à croire fermement que ce que nous demandons dans la prière est déjà en route vers nous. C'est une reconnaissance de la puissance de notre foi et de notre capacité à attirer à nous ce que nous désirons. La prière en action. Neville enseignait que la prière devrait être une expérience vivante et émotionnelle. Il ne s'agisse pas simplement de réciter des mots, mais de ressentir intérieurement la réalité de ce que vous demandez. Le moment optimal pour la prière. Neville abordait également le timing de la prière. Il recommandait souvent de la pratiquer avant de s'endormir lorsque l'esprit est plus réceptif aux suggestions. Ce moment privilégié permettait à la prière de s'enraciner profondément dans le subconscient, travaillant en pour matérialiser nos souhaits. un rituel. Pour renforcer l'impact de la prière, Neville suggérait la création d'un rituel sacré. Cela pouvait inclure des moments de méditation, la visualisation créative et la répétition de la prière. L'idée était de créer un environnement propice à la manifestation. Section 3. Témoignage de la puissance de la prière secrète. Dans cette troisième section dédiée à la découverte de témoignages inspirants illustrant la puissance de la prière secrète de Neville Goddard. Ces récits concrets nous Montre comment la pratique de cette prière a transformé la vie de nombreux individus. Transformation personnelle. Nombreux sont ceux qui attestent de transformations profondes dans la vie après avoir enterré la prière secrète dans le quotidien. Des changements significatifs dans la santé, les relations, la carrière et même la perspective de vie ont été observées. Guérison physique et émotionnelle. Certains témoignages mettent en lumière des expériences de guérison physique et émotionnelle. Des individus ont partagé comment la pratique régulière de la prière secrète a contribué à atténuer des maux physiques et à apaiser des tourments émotionnels. Réalisation professionnelle. La prière serrée a également été liée à des succès professionnels. Des personnes ont rapporté des avancements de carrière. Des opportunités d'affaires inattendues et une meilleure performance au travail après avoir enterré cette prière dans leur routine quotidienne. Transformation relationnelle. Les relations ont été profondément impactées par la prière serrée, selon certains témoignages. Des récits parlent de réconciliation familiale. D'amélioration dans les relations interpersonnelles et même de rencontres amoureuses inattendues. Réalisation des désirs profonds. Des témoignages évoquent la réalisation des désirs profonds après avoir embrassé la prière secrète. Que ce soit l'acquisition d'une maison, la réalisation de projets créatifs ou la concrétisation de rêves longtemps nourris, ces histoires soulignent la capacité de la prière à manifester nos aspirations les plus profondes. Impact sur le bien-être mental. Plusieurs témoignages ainsi sur l'impact positif de la prière secrète sur le bien-être mental. Section 4 Guide étape par étape pour prononcer la prière secrète. Bienvenue dans cette section détaillée où nous explorons un guide étape par étape pour prononcer la prière secrète de Neville Goddard. Suivez attentivement ces étapes pour tirer la meilleure partie de cette pratique transformatrice. Choisissez votre verset biblique. Le premier pas consiste à choisir un verset biblique qui résonne profondément en vous. Optez pour un passage qui incarne le mieux vos désirs et aspirations. Assurez-vous de comprendre pleinement chaque mot du verset. Créez un environnement propice. Avant de débuter la prière, créez un environnement propice. Choisissez un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez également allumer une bougie ou utiliser des ensembles pour créer une atmosphère relaxante. Relaxez votre corps et votre esprit. Prenez quelques instants pour détendre votre corps et votre esprit. Respirez profondément et concentrez-vous sur le moment présent. Laissez aller les tensions physiques et mentales. Méditez sur le verset choisi. Avant de prononcer la prière, Méditez sur le verset choisi. Réfléchissez à sa signification profonde et visualisez mentalement ce que vous désirez manifester. Sentez les émotions associées à la réalisation de vos souhaits. Commencez la prière. Prononcez la prière à voix haute avec confiance et conviction. Utilisez les mots du verset biblique comme base, mais ajoutez vos propres expressions pour personnaliser la prière en fonction de vos besoins spécifiques. Engagez votre imagination. Pendant la prière, engagez pleinement votre imagination. Visualisez vos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. Imprégnez-vous des détails, des couleurs et des sensations associées à la manifestation de vos souhaits. Ressentez la foi profonde. Lors de la prière, ressentez une foi profonde et inébranlable. Croyez avec certitude que ce que vous demandez est déjà en route vers vous. Évitez les doutes et les incertitudes. Concentrez-vous sur la foi. Exprimez la gratitude. Terminez votre prière en exprimant votre gratitude. Remerciez l'univers, la divinité ou votre propre subconscient pour la réalisation imminente de vos désirs. La gratitude renforce le lien avec le processus créatif. En conclusion de cette section, ce guide détaillé vous offre une approche pas à pas pour prononcer la prière Sajed. Donc, c'était la prière Sajed de la Bible qui peut combler vos désirs. Si vous avez trouvé ces informations utiles, N'hésitez pas à partager cette audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.